Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer une routine sportive pour 50 ans et plus. Vous aurez peut-être besoin d'une paire de poids, mais ce n'est pas obligatoire. Je prends des poids d'environ 1 à 2 livres, 500 grammes, 1 kg. Voyez, testez, et sinon tout peut se faire sans matériel. On est parti après ça, à votre tapis! N'oubliez pas d'avoir un verre d'eau proche de vous. On va commencer avec un petit réchauffement. Les pieds sont vraiment beaucoup plus larges que les hanches et on va aller fléchir et tendre les genoux. On va prendre une belle respiration ensemble et on expire. Inspire et souffle en poussant les bras vers l'extérieur pour vraiment aller chercher à ouvrir la posture. On veut vraiment oxygéner notre corps. On continue, inspire. Et expire, on ouvre vers l'extérieur. Inspire. Et pousse, on est vers l'extérieur. Good. On va aller maintenant chercher à réchauffer les articulations de nos genoux tout en étirant les côtes. Donc on va aller chercher à ouvrir notre posture. On continue pour 4, 3, 2 et 1. On va aller vraiment chercher un peu de plus de rotation au niveau de la colonne. C'est souplement fait. On continue pour 4, 3, 2 et 1. On s'en va vers les genoux. 1, 2, 3, 4. Le dos est bien droit. 7, 8. On revient face à moi. Toujours aller chercher un peu plus de rotation et un peu plus de fléchis dans les genoux pour bien réchauffer encore une fois les articulations des genoux. Et 4, 3, 2 et 1. Et on va s'étirer. On ouvre bien. On étire bien ici au niveau des côtes. On respire. Encore 4, 3, 2 et 1. On va aller chercher nos poids. Tout peut se faire sans poids. Et n'oubliez pas de vous prendre quelques pauses haut à chaque fois. Donc les pieds sont en grande ouverture et en rotation externe pour ne pas abîmer les genoux et pour bien aller chercher ici les fessiers, les rotateurs externes. On va ouvrir en poussant les genoux vers l'extérieur en utilisant les bords externes de nos pieds. Coudes collés au corps. Paume de main tournée vers le ciel. On tend les bras en fléchis. Allez, on est parti. On va aller avoir un beau mouvement. On va travailler un peu notre cardio sans saut. Mais on veut chercher ici à renforcer notre cœur. Puis c'est important aussi, après 45 ans, moi j'ai vraiment eu de la misère à garder mon poids. Donc il a fallu vraiment que je booste un petit peu plus au niveau du cardio pour chercher à brûler un petit peu plus mes calories. Mais sans que ce soit forcément des choses intenses type bootcamp. On va rajouter avec les bras. Punch. Je fais une rotation des paumes de main vers le plancher. Attention de ne pas monter l'épaule en dedans. On veut vraiment aller chercher toujours à pousser les genoux vers l'extérieur et à garder une belle posture. 4, 3, 2, 1. On reprend ici, mais avec un point de plat. Je fléchis toujours mes genoux en rotation externe et je continue avec les punches, avec ou sans poids. 1, 2, 3, 4, 5. Lâchez pas. 6, 7 et 8. On reprend ici en rotation externe. On va faire des petites pulsations pour aller chercher un peu plus dans les cuisses. Good. On continue avec les bras. Et 1, 2, 3. Je fais des petits mouvements de pulsation avec mes hanches. Les deux travaillent, les bras, les abdos travaillent. On serre vraiment fort au niveau de nos abdominaux. On lâche pas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On tend les deux bras, on tend les deux jambes et on ouvre doucement en contrôle. Good. On reste là, on serre au maximum les abdominaux, on allonge notre dos fléchi et plié. On rajoute les jambes en même temps. Et 1, 2, 3. On a une belle énergie, une belle ouverture dans les épaules. Ça met de bonne humeur aussi. Hein. Travailler avec le cardio un petit peu plus, ça rajoute... ça nous donne un petit boost, des petites endorphines qui nous mettent de bonne humeur. Puis avec les hauts et les bas de la périménopause ou de la ménopause, on en a vraiment besoin de ce petit boost de uplift. Ok, on rajoute les bras à nouveau. Ah, je vais aller chercher un petit peu plus haut. N'hésitez pas à lâcher les poids si ça devient trop dur pour les épaules. C'est possible, il n'y a pas de souci. Et 8, 7, 6, 5. 4, on engage les abdominaux. 3, 2, 1 et on revient. Les pieds à la largeur de notre bassin bien parallèle. Buvez un peu d'eau, hein, n'oubliez pas. Alors,
Alors, les genoux ici, bien parallèles, largeur bassin, les fesses en arrière, on va faire très attention de ne pas cambrer mais bien d'engager les abdominaux. On va aller chercher un peu plus dans les bras, est important aussi pour garder une belle, des os en forme, éviter l'ostéoporose, de travailler avec des poids. On fléchit et on tend les coudes, on travaille dans les triceps, le petit moule en arrière, le menton est bien rentré. Donc on veut vraiment aller chercher un peu à travailler au niveau de la densité osseuse. Pour ça, on a besoin souvent de poids. Alors, vous pouvez commencer sans les poids, puis tranquillement, vous vous offrez des poids un peu moins. Vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau que vous remplissez un peu, puis après un peu plus, jusqu'à arriver à vos 500 grammes. Et on va garder ici les jambes fléchies, le dos bien droit. On serre les abdos, on travaille le dos en même temps dans ce travail-là. Et on va faire des petites pulsations vers le haut. On continue pour 10, 9, 8, 7, 6. Serrez vos abdos. 4, 3, 2, 1. On va reposer nos mains aux cuisses. Arrondir le dos et dérouler la colonne vertébrale. Good. Buvez un peu d'eau. On va chercher à travailler les bras, les cuisses et l'équilibre. Super important, l'équilibre. Avec le temps, on finit par en manquer. Et c'est ça qui nous fait chuter. Alors, je commence avec les pieds très larges quand même, plus larges que mes hanches. Et je vais faire un grand squat en amenant vraiment les fesses en arrière, mais sans laisser cambrer le dos. Donc, j'engage toujours mes abdominaux. Et je remonte en levant un genou et en fléchissant les coudes. On est reparti. On descend lentement et on remonte en contractant toujours les abdominaux. La posture ici est super importante. Donc quand vous remontez, vous grandissez. Vous êtes magnifique. Lâchez pas. On est parti ensemble pour 8 à partir de maintenant. Et 7. Good. Et 6. Et 5. 4. 3. 2. 1, on va rester sur une seule jambe. Et oui, il faut travailler notre équilibre. On va maintenir la position et lever les bras pour 4, 3, 2 et 1. On reste et on descend pour 4, 3, 2 et 1. On repose le pied, on change de genou, on lève, on allonge le dos et on remonte pour 4, 3, 2 et 1. On descend bien les épaules, on se grandit et on descend pour 4, 3, 2 et 1. Vous me direz comment ça a été pour vous l'équilibre. Ok, on continue avec les pieds en rotation externe. Et on va maintenant, en gardant bien les épaules dégagées, toujours les genoux qui fléchissent vers l'extérieur, toujours le dos droit, fléchir les coudes pour amener les poids en direction de la poitrine. N'oubliez pas, tout peut se faire sans les poids. Allez, à partir de maintenant, on y va avec un meilleur rythme pour 10. Good. 9. On serre la fermeture éclair, hein, on zip, on travaille avec le périnée. Et 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on va rester en bas, garder le sourire, pousser les genoux au maximum vers l'extérieur, serrer les abdominaux, ouvrir les épaules, allonger la nuque et on tend un bras à la fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et les deux, on descend plus bas. Je sais que ça commence à brûler au niveau des cuisses. Et 1, et 2, 3, on serre les abdos. 4, on va jusqu'au bout de nos mouvements. 5, en contrôle. 6, on ne pousse pas comme ça, on va vraiment aller en contrôle. 7, 8, 9, dernier 10. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus bas? Est-ce qu'on peut garder le sourire? Est-ce qu'on peut tendre les jambes? Et on secoue. Bravo, vous êtes magnifique. On prend un petit peu d'eau, on met les poids de côté. Ok, on va finaliser avec quelques étirements pour se sentir encore plus allongé. N'oubliez pas que les étirements, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour améliorer la mobilité, la souplesse des articulations et éviter les problèmes de dos. Donc on va tirer au maximum, allonger, grandir, serrer les abdominaux et tout doucement s'étirer. On va respirer ici, engager les abdominaux comme si on fermait une fermeture éclair vers le haut et on revient, on fait la même chose. Et on souffle, on se grandit, on s'étire. Good. Et on remonte ensemble. On inspire. On souffle. On fléchit.
On reste là, on prend une belle inspiration. On souffle, on remonte, encore une fois. On inspire, on souffle. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Alors merci de liker si vous avez aimé la séance. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Étirez vos bras vers le plafond. Et à nouveau, on va tirer un bras après l'autre. Et un, je vais vraiment aller allonger ici. Deux, la taille. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On va pousser au maximum les bras vers l'arrière. Et pour aller bien ouvrir notre posture, parce que c'est aussi important que de travailler la musculation, on va placer nos bras ici, doigts entrelacés. Je ouvre la poitrine, je fais attention de ne pas laisser cambrer. On serre les abdominaux et on tire. Et on fait un petit mouvement vers le haut. Et un, sans laisser les épaules aller en dedans. On ouvre et deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, on ouvre les doigts vers moi, on tourne, on tourne, on tourne, on fait un petit mouvement ici, c'est Broadway Show, on étire, on étire, on étire, on étire, on croise et on enroule la colonne. Allez, un petit dernier pour le dos, les mains au niveau des cuisses, on inspire, on allonge le dos, on expire, on arrondit, on inspire, on allonge le dos, on veut vraiment garder nos mains aux cuisses, les genoux bien ouverts. Et quand on arrondit le dos, on veut vraiment aller arrondir pour étirer le dos. Oh, ça fait du bien. Et on allonge le dos et on arrondit et on remonte tout en douceur. Wouh ! Vous avez été magnifique. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Bravo ! Si vous avez aimé la séance, vous allez adorer ma nouvelle plateforme de vidéos à la demande. Plein de vidéos avec justement ce type de séance plus tonique qui va vraiment nous mettre en feu et nous remplir d'énergie. À très bientôt, j'ai hâte de vous lire. Bye ! Bravo tout le monde ! Portez-vous bien, prenez soin de vous.